For so long, I was living my life. Oh, so wrong. Always numb in my mind. Battled on, building scars from the knife. So far gone, I was blind. So now. Hello ma famille, j'espère que vous allez tous bien, car de mon côté je vais super bien grâce à Dieu. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo de motivation ménage. C'est-à-dire que là, toute ma maison est sale. Et quand je vous dis sale, c'est de A à Z. Toute la maison est sale. Donc on va se motiver à nettoyer la maison. Je vais vous montrer, là je suis déjà au salon. Je vais vous montrer le salon, la cuisine, la blonderie, les toilettes d'en bas, l'entrée, comment c'est. Ensuite, on va monter en haut. Voilà, donc la chambre, je vous montrerai après parce que papa, il est encore au lit. Donc, on va déjà commencer à attaquer. En tout cas, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, moi, c'est Karine. Donc, sur ma chaîne, je partage les vidéos de motivation, ménage, organisation, décoration. Voilà, et donc si ce genre de contenu t'intéresse, surtout n'hésite pas de t'abonner, c'est la vie de maman, on va vivre ça ici là en live. Voilà, n'oublie pas de t'abonner et de sonner à la cloche de notification, comme ça tu vas rien manquer de mes prochaines vidéos. Et moi de mon côté, je vous fais des gros bisous d'amour, que le Seigneur vous bénisse. Let's go pour la vidéo, on se motive, il y a quelque chose ici. Là mes sisters, je commence par vous montrer mon salon. Voilà, vous voyez, au coin là, j'avais mis un petit meuble ici, une petite étagère, voilà, là où j'ai classé quelques affaires de décoration. Bon, on va voir tout ça tout à l'heure, c'est un peu flou, on va mettre les lumières. Tout est vraiment sale là, mes sisters. Et donc là, ils m'ont cassé ma table basse, la table basse a été cassée, voilà, donc... Là, il n'y a rien ici. Et mes canapés sont super sales. Vous pouvez voir dans les détails, sans exception, tout est sale. Mais je vous dis, vraiment sale. Sale. Donc là, la championneuse, elle est là. Ok, regardez-moi l'état des canapés là. Tout est sale. L'entrée ici est sale. Ça, c'est la chaise d'entrée est sale. Les murs sont sales. Et bien sales. Voilà. L'escalier déjà. Vous voyez là, non? Regardez-moi ça, mes sisters. Regardez-moi ça. Tout est sale. Pas de jugement. Hein? Tout est sale. Donc, voilà. Tout est bien sale. Regardez l'état de ma cuisine. Donc là, tout est sale. Voilà. Il y a cet encombrement visuel qui est là, je vous dis, pas possible. Vous voyez cet encombrement là? Je vais vous montrer. Ça, papa, il a fait rentrer son truc ici. Parce que là, il fait que pleuvoir. Il pleut comme pas possible. Et ça ne peut pas rentrer là-bas, dans les cabanons. Voilà. Donc, il pleut beaucoup. Et papa m'avait mis son imprimante ici. Je suis fatiguée avec cette imprimante. Ça fait 3 semaines. Presque 3 ans bientôt. Ça tourne partout dans la maison. Moi, je n'ai pas de garage. Ça me fatigue. Et ce meuble-là, je vous dis la vérité que je vais virer ça cette semaine. Qui pleut ça. Je vais donner, ça va partir le plus vite possible. J'avais fait la décoration et je n'avais pas rangé mes affaires à sa place. Regardez, elles sont là, donc je dois ranger ça. Ok, je dois nettoyer ce chaise auto. Voilà. Je suis dans mes toilettes en bas, mes sisters, vous pouvez voir le bazar, la saleté. Voilà les détails de tout ça. C'est ici,
c'est vraiment le bazar. C'est vraiment le bazar total, Mississta, je vous dis là. Tout ce qui est des tondeuses des garçons, de papa, toutes les affaires des garçons de beauté, normalement, je le mets ici. Comme ça, au moins, il ne me casse pas la tête, mais je vous jure. Je vous amène dans mon blenderie. C'est pas grand, il est petit. Et ça, c'est des affaires sales que je dois laver. Regardez. Voilà, tout est vraiment sale. Ça, c'est les tapis de bain de la salle de bain. Celle-ci, elle est propre avec des toilettes. Ça a été lavé. Mais j'en ai d'autres là-bas qui sont sales. Et il y a là aussi, tout ça, c'est les serviettes des toilettes. C'est propre, mais je dois organiser ici. Vous voyez, c'est sale, je vous dis. C'est sale. Donc là, on va tout nettoyer, on va tout ranger. Tout ça, mais si c'était vraiment là, c'est pas possible. Et là, je vous emmène en haut. C'est sale, là. Ici, la dernière fois, je vous avais montré que ce meuble était dans la chambre des enfants. Mais après, il y avait les jouets partout. Donc, je suis fatiguée. Je l'avais cassé ici. Donc, là, il faut que je trie les jouets. Parce que, mais c'est ça commence à déborder. Je vais essayer de trier, voir ce qui est bon. Ça, c'est des habits que j'avais lavés hier soir. Mais c'est ça. J'ai plié, mais j'ai pas encore rangé. Voilà. Ça, c'est la couverture. On va voir. Ça va au sale. Ça, c'est la championneuse parce que je dois nettoyer le tapis. Et là, mes sisters, je suis dans ma salle de bain. Voilà, donc je vous montre que c'est sale. Ma baignoire est sale. Les toilettes, je dois laver. Ma douche aussi. Il faut que je nettoie. Voilà. Il y a un peu le bazar là, en fait. Le bazar partout. J'ai pris cette étagère pour mettre dans ma salle de bain. Voilà. J'ai pris ça, je vais coller ça pour mettre dans ma salle de bain. Donc, on va tout ranger. Et je vais vous montrer ici. Regardez. Regardez-moi le bazar là. Donc, on va tout ranger ici parce que là, c'est la merde. Voilà, mes sisters. Donc là, vous avez bien compris que j'ai du travail à faire. J'ai un gros ménage. Et donc, sans plus tarder, let's go. Ce que je vais faire, mes sisters, je vais d'abord manger. Je vais manger, ensuite, je vais attaquer. Je vais commencer en premier par enlever tout ce qui est les coussins, les housses, les chaises, au salon. Je vais mettre dans la machine. Et je sais qu'actuellement, j'ai des serviettes dans la machine qui est lavée. Je dois le mettre dans le sèche-linge. Ensuite, je vais venir classer ça ici. Serviettes là parce que c'est vide qu'on peut voir. Donc je dois régler ici, classer les serviettes à sa place. C'est la cata ici, mes sisters. Vous voyez là? C'est vraiment la cata. Donc on va tout ranger, je vais tout organiser. Je vais tout organiser, voilà. Et puis on va se motiver ensemble, mes sisters. Voilà, donc je vais d'abord manger. Parce que je dois manger, ça c'est obligatoire. For so long, I was living my life. Oh, so wrong. Always numb in my mind. Battled on. Building scars from the night. So far gone. I was blind. So now. Shining a light on the dark that I was coming from. Et là, c'est parti pour le ménage. Donc là, je vais commencer d'abord à nettoyer mon tringle de rideau. Donc j'avais enlevé les rideaux du salon de la cuisine. Donc là, je vais laver mon tringle du rideau parce que je sentais qu'il y avait la poussière dessus. Et donc après ça, je vais mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. Et essuie aussi mon îlot pour éviter déjà l'encombrement visuel. Et ensuite, je vais taquer par mon salon. Pulling
Et là, vu que mes canapés sont super sales, donc je vais commencer par mettre de l'eau avec du liquide vaisselle et voilà, et du vinaigre. Et ensuite, avec mon chiffon microfibre, je vais venir enlever les poussières qui sont dans les canapés. Parce que mes canapés, en fait, ce n'est pas des housses de canapés qui peuvent s'enlever. Donc, du coup, tout est collé. Donc là, je vais pratiquer cette technique et vous allez voir le résultat qu'il y avait vraiment de la poussière dans les canapés. La Missista, je n'avais plus mon produit pour nettoyer les canapés, le produit qui va dans la chantonneuse. Et je me suis dit, ce produit Ping, ça marche avec tout. Bon, ce que je vais faire, je vais la tester. Je vais la mettre dans ma chantonneuse et ensuite, je vais nettoyer mes canapés avec. Et ensuite, on verra le résultat. Je vous assure que ça a super bien marché. S'enlever les taches sur les canapés. Donc, je me suis dit, je sais que ça, c'est un produit qui ne va pas avec. Mais en tout cas, ça a fait l'affaire. Blague à part, mes sisters, la manière que je suis cassée ici, Dieu sait regarder l'état de mes cheveux. Ah, j'ai mal au dos, c'est quelque chose, je vous assure que c'est quelque chose de laver les canapés là. L'état de ces canapés là, je vous assure. Je vous montre les parties que j'ai déjà nettoyées. J'ai nettoyé ici, partout là. J'ai nettoyé là. J'ai nettoyé ici aussi. Donc ça me reste juste le milieu. Et cette partie, là-bas au coin, j'ai nettoyé, donc c'est juste là, ça commence ici, jusque là. Oh, ça mérite une pause, on travaille avec des pauses. Là, je vais m'arrêter, je vais me reposer un peu, ensuite je vais continuer. Yeah.
c'était le gros ménage d'été. Là, j'ai fini de nettoyer les canapés, j'ai nettoyé les vitres. J'ai tout nettoyé, j'ai passé le balai. Donc là, je vais passer la serpillière ici. Et ensuite, vous connaissez votre sister, je vais déplacer, je vais changer l'emplacement de mes canapés. Voilà, là, tout ça, les coussins, je les lavais. Maman m'a aidé à mettre les coussins ici. Voilà, la cuisine, elle est encore comme ça. Les enfants ont fini de manger. Donc là, voilà pour mes vêtements, mes sisters, j'ai lavé, j'ai fini. Et donc, je vais ranger ça demain dans les placards parce que là, je suis vraiment cassée. Les serviettes, tout est lavé, tout est propre, mais je ne peux pas ranger. Là, vraiment, là, je suis à bout. Donc, on verra ça demain pour le rangement. Voilà, mes sisters, qu'on pouvait constater que là, j'ai fini avec le salon. Voilà, j'ai pas pu nettoyer toutes les pièces de la maison et organiser parce que c'est un samedi là où j'avais tous les enfants à la maison. Donc, du coup, c'était pas possible, en fait, mes sisters. Donc, j'ai fait ce que je pouvais, hein, mes sisters. Voilà, donc, j'ai nettoyé, voilà. Et donc, la salle de bain, ben, je vais la nettoyer demain. Et donc, là, en tout cas, je suis contente parce que j'ai tout nettoyé. Et ça, c'est un tableau que j'avais acheté. C'est un tableau vide. Je vais faire un DIY avec. Donc, je vais le mettre dans mon salon. Vous verrez dans les prochaines vidéos comment est-ce que je veux transformer ce tableau. Il est vraiment grand. Je voulais vraiment un gros tableau comme ça. Je l'ai vu chez Winner, mais vraiment, ça coûtait vraiment cher. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire l'affaire. Et ensuite aussi, cette imprimante, le meuble, ben, il sera viré comme ça. Derrière là, ça sera vraiment vide. Je trouve que je vais faire des étagères derrière, là, de ma cuisine. Et là, je vais nettoyer quelques assiettes là avant de dormir. Voilà, là, c'est fait. Et je laisse ma cuisine propre. Voilà, donc c'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu, mes sisters, et que ça va aussi vous motiver. Voilà, regardez-moi mes vases là. Donc là, j'avais acheté cette lumière. Donc c'est ici que je vais poser mon tableau et la lumière. Je vais enlever l'autre. Et la lumière, elle sera en haut de mon tableau. Voilà, donc c'est ce que je ferai. Et donc du coup, du côté de ma cuisine, vous pouvez bien voir que sur le frigo en haut, les placards, elles ne sont pas encore bien essuyés comme il faut. Parce que je dois encore organiser mes placards de cuisine. J'ai pris quelques affaires de rangement. Voilà. Je vais monter les papiers toilettes. Et... I was living my life. Oh,
Alors pour aujourd'hui, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça va aussi vous motiver. Et donc de mon côté, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.